quand on est pressé, il y a toujours quelque chose qui vient vous retarder. Ou égarer la voiture, 5 minutes pour la chercher. En hiver, 5 minutes de grattage pour dégager la glace des vitres. Ou pire encore, vous avez laissé les phares allumés, la batterie est déchargée. Et pour que même ceci ne dure que 5 minutes, voici comment procéder. Très important, ayez l'air sympathique. Signalez que vous avez besoin d'aide et assurez que cela ne prendra que 5 minutes car vous savez comment il faut faire. Il est important de procéder au démarrage par câble uniquement lorsque la tension des deux batteries est identique. Coupez d'abord le moteur et toutes les sources de consommateurs électroniques des deux véhicules. Mettez les feux de détresse du véhicule avant de procéder au démarrage par câble. Ensuite, raccordez d'abord le câble rouge avec la borne positive de la batterie déchargée. Puis raccordez l'autre côté du câble d'aide au démarrage rouge à la borne positive de la batterie chargée. Raccordez ensuite le câble noir à la borne négative de la batterie chargée. Puis raccordez l'autre côté du câble noir avec une partie en métal du véhicule en panne, autre que la batterie, par exemple le bloc moteur. Démarrez ensuite le moteur du véhicule qui vous aide. Essayez alors de démarrer le véhicule en panne pendant 15 secondes au maximum. Si cela ne marche pas, il vaut mieux appeler un professionnel ou un dépanneur. Si le moteur démarre, débranchez les câbles dans l'ordre inverse. Ça y est! À présent, mieux vaut faire vérifier votre batterie par un partenaire EasyWay ou un Bosch Car Service. Bon, d'accord, cela vous prendra un peu plus de 5 minutes. Mais comme ça, vous pourrez être sûr que tout est en ordre avec votre batterie. Et si ce n'était pas le cas, nous avons certainement une offre qui correspond à vos besoins. Bosch. Invented for life.